invitation locale. Donc voilà, Noël. C'est pas du tout, voilà. Et nous, mais à la base. C'est monsieur là. Par où? C'est par où? Eh bien, c'est par où? Par où? Par où? Par où? Alors, donc, Noël, voilà, je suis en compagnie de monsieur Sao. La mission locale. De la mission locale de l'espace humain. Oui. Alors, donc, comment ça va, monsieur Sao? Bonjour, ça va bien pour nous. Nous sommes contents d'être ici parce que nous venons vers les jeunes et il y en a de nombreux ici. Ça nous permet de venir les voir pour qu'ils s'amusent et de les rencontrer dans la bonne humeur. Et pendant qu'ils s'amusent, il faut passer, il y a du boulot aussi bientôt, il faut préparer la venue. Exactement, parce que nous sommes déjà au mois d'août et nous invitons tous les jeunes à venir nous rencontrer pour préparer leur rentrée, leur recherche de formation, d'entreprise pour l'alternance et pour leur proposer des dispositifs d'accompagnement. Mais est-ce que tu as pensé à ce que dans toutes les communes, il y a quelqu'un qui en représentant qui vient à chaque manifestation comme celle-ci? Oui, effectivement, notre volonté c'est d'être présent sur les manifestations, qu'elles soient sportives ou culturelles. Cette année, nous avons décidé d'être présents sur le tour cycliste et sur le tour de Yole. Donc nous venons là parce que nous savons que les jeunes viennent nombreux, qu'ils aiment ces sports traditionnels ou entrer dans la culture martiniquaise. Alors on vient ici parce que c'est qu'on va les rencontrer et on vient leur proposer une solution pour leur insertion professionnelle et sociale. Et il n'y a pas de réticence, ils adhèrent rapidement. Oui, oui, ils adhèrent facilement, ils nous écoutent, et, ils posent quelques questions. On prend leurs coordonnées pour les recontacter quand ils sont intéressés. Et même s'ils sont un peu pressés parce qu'ils ont envie d'aller rencontrer les amis, les copains et d'attendre les résultats de la course, mais ils ont quand même le temps de nous écouter et d'échanger leurs coordonnées avec nous. Et vous les proposez quoi? Alors on leur propose par exemple le contrat d'engagement jeune, qui est un dispositif d'État qui permet d'accompagner les jeunes 6 et 12 mois pour préparer leur projet professionnel. On propose aussi le PASEA, parcours d'accompagnement professionnalisé vers l'emploi et l'autonomie. Qui permet d'avoir des aides financières pour entrer en formation ou pour retourner dans la vie active. Et on nous propose des accompagnements tels que l'aide individuelle à la formation, le FAD, on aide aux jeunes, nous montrons des dossiers, ingénierie financière, on aide les jeunes à préparer tout ce qu'il leur faut pour pouvoir entrer en insertion, en emploi ou en formation. Eh bien, je pense qu'en vous écoutant, c'est qu'ils ont bien servi. Et il y a plus de merci beaucoup, merci à vous de passer nous voir et je connais. Et vous connaissez la radio en direct Martinique? Oui, je connais. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On est là, on essaie de limiter les dégâts, de faire que tout le monde soit bien servi. Voilà, c'est très bien, merci. Ok, merci beaucoup. À plus tard.